Alors, Wally Seck s'exile en Gambie. Après avoir fait ses preuves au Sénégal au point d'être comparé à Youssou N'Dour, Wally Seck a décidé d'étendre ses tentacules au pays d'Adama Barrow. Déjà à la fin de l'année 2017, il s'est produit en Gambie les 22, 23 et 24 décembre en Gambie. Une série de prestations très appréciées par les mélomanes gambiens. De quoi lui donner des ailes. Dans le feu de l'action, le fils de Thione Seck a pris date avec les Gambiens, promettant de s'y produire fréquemment comme il le fait à Dakar. Histoire de leur montrer sa bonne foi, il a immédiatement choisi la dame Fanta Sidi B, une productrice de spectacles comme les Negoné N'Dour au Sénégal, pour être son manager en Gambie. On connaît maintenant la dame de fer qui murmure à l'oreille de Wally Seck. Comprenez par là qu'il s'agit de son nouveau manager qui gère désormais toutes les affaires du prince de Faramarine. Désormais, toute personne qui souhaite faire produire le fils de Thione Seck en Gambie devra désormais passer par cette dame.